Alors produire autrement pour moi, c'est déjà s'inscrire dans le temps et concilier les enjeux économiques et les enjeux environnementaux. Pour moi, produire autrement, c'est produire ensemble en respectant l'environnement. Pour moi, produire autrement, c'est développer des pratiques au service d'un projet de filière et qui s'inscrivent en toute cohérence avec leur territoire. Produire autrement, c'est produire en fonction des saisons et en phase avec la société. L'Union des producteurs de lait AOP, qui regroupe les 700 producteurs de lait produisant du lait destiné à la fabrication camembert de Normandie, de Pont-l'Évêque et de Livarot, a déposé un projet GI2E qui vise à développer des références destinées à leurs membres, à leurs éleveurs membres, sur des associations prairiales innovantes qui soient résistantes aux conditions séchantes, tout en étant suffisamment adaptées à une bonne productivité des vaches laitières pendant la période estivale. On a perdu le savoir-faire de la conduite de l'herbe, la gestion de la pâture, la productivité, d'avoir des sols productifs en herbe, savoir à quel moment intervenir, comprendre les sols. On est dans une démarche de réappropriation, des systèmes herbagers, de la conduite des systèmes en herbe. La coopérative vignoble de la Voie d'Héraclès à Vergèze a participé à l'appel à projet en ayant deux axes. Un axe de maîtrise du foncier par la coopérative pour pouvoir installer de nouveaux jeunes agriculteurs et conforter les exploitations existantes. Et le deuxième axe, c'est la protection des ressources en eau en augmentant évidemment l'agriculture biologique qu'on pratique déjà depuis 20 ans à Vergèze. Et également essayer de convaincre des producteurs qui sont inconventionnels à avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Le fait d'avoir un GI2E, ça permet de regrouper les agriculteurs autour d'un projet sur une thématique particulière. Donc là, c'est le cas au niveau de la viticulture. Et ça permet justement d'être beaucoup plus efficace, d'une part pour les mobiliser, les sensibiliser sur les enjeux, et après, au quotidien, de travailler avec eux sur l'évolution des pratiques. Cette démarche des GI2E est particulièrement pertinente puisque au cœur de nos systèmes se situe l'enjeu d'une double performance économique par la maîtrise des coûts alimentaires et également une performance environnementale. Pour nous, en appellation d'origine, de par le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, parce que moi j'étais pas installé, ça existait déjà, on a compris qu'on avait tout à gagner en produisant du lait en fonction de ce que notre surface agricole utile, notre jardin pour nourrir nos vaches, nous le permet. On ne cherche pas la performance, mais on recherche l'économie. Là, l'idée, c'est que via le J2E, ou via déjà dans un premier temps le CASDAR, on peut avoir une personne qui va venir un appui au niveau technique, mais qui aura une casquette beaucoup plus large et qui va permettre d'intégrer dans le conseil agricole toutes les thématiques environnementales. Donc, ce sera plutôt un animateur qu'un technicien, pur et dur. Et donc là, ça permet de créer une passerelle entre le monde économique, dont le résultat est souvent lié à des aspects techniques et qualitatifs, vers tous les aspects environnementaux. Le GI2E est une ouverture plus large au monde extérieur que ne l'était la coopérative. Parce que c'est vrai que dans la coopérative, les adhérents, ce sont uniquement des viticulteurs chez nous. Et dans le GI2E, nous pouvons associer les communautés de communes, les partenaires privés comme Perrier ou le syndicat de la Vistringue. Et la SAFER. Les GI2E sont vraiment une opportunité supplémentaire d'avoir des moyens, hein, parce qu'on parle également en termes de moyens disponibles, ça nous met des moyens à disposition pour nous permettre de dérouler cet accompagnement technique auprès de nos éleveurs et qui passe par des partenariats innovants, mais également de répondre à une logique filière. Il faut qu'on soit crédible au niveau du consommateur. On l'est déjà parce qu'on a un cahier des charges qui est très fort. Mais demain, si on veut continuer à être en phase avec la société, par exemple, des 3 emplois pour 100 000 litres de lait en appellation d'origine, à contrario, des 1 emploi pour 100 000 litres de lait en système standard, on est vecteur d'emploi. Plus il y a de la production, plus on peut attaquer des gros marchés à l'export lointains avec notre vin bio. On a souvent des outils qui permettent de faire un effort contraint dans le temps, souvent à quelques années, 2, 3 ans, des fois 5 ans maximum. Et après, la difficulté, c'est que la modification des pratiques n'est pas pérenne. Donc on a toujours le risque, une fois qu'on a enlevé ce qu'on peut considérer des fois comme une béquille, que l'agriculteur revienne à des pratiques qui ne répondent plus à cet objectif-là. La J2E peut permettre de permettre un changement profond
et durable des pratiques, notamment en garantissant la pérennité économique.